Après Bruxelles mardi, Mario Monti se rend à Strasbourg ce jeudi pour un mini-sommet avec le tandem franco-allemand. Le nouveau chef du gouvernement italien entend convaincre le président Sarkozy et la chancelière Merkel qu'il est capable de redresser les comptes de son pays, même si faute de croissance, il laisse planer le doute sur un retour à l'équilibre en 2013. Réformer les retraites et le marché du travail seront ses priorités, affirme cet économiste. Sans connaître les mesures exactes, nous en avons une idée assez claire. Puis viendront les privatisations et la libéralisation des marchés. Il dispose pour l'instant d'une très large majorité au Parlement et s'il agit rapidement, personne ne votera contre ces mesures pendant un certain temps. Endetté à hauteur de 120% de son PIB, l'Italie est au bord de l'asphyxie. Les trois dirigeants évoqueront les moyens d'éviter une contagion, notamment le rachat d'emprunts d'État de pays fragiles par la Banque centrale européenne, auquel Berlin est opposée.